Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même, te souhaitons la bienvenue. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Bon, forcément, trêve, Coupe du Monde oblige. Il n'y avait pas grand-chose à dire au niveau de l'actu OM dernièrement. La Coupe du Monde, je la regarde sans la regarder, pour être totalement franc et transparent avec toi. J'ai juste suivi la fin du match France-Pologne. Les Bleus se sont qualifiés pour les quarts de finale avec un but de Giroud et un doublé de Mbappé. Félicitations à eux. Bon, moi, mon équipe n'est pas là. Dédicace aussi à mes amis algériens qui regardent la Coupe du Monde de loin. Eh bien, écoutez, je vais revenir, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, sur l'actu autour de Luis Suarez, l'attaquant colombien de l'OM, qui donc devrait être transféré à Almeria. Allez, c'est parti. Alors, on va recontextualiser. L'UD Almeria, donc, c'est un club en Espagne, andalou, qui est monté en Liga, en première division espagnole, l'année dernière, qui est racheté, qui a été racheté depuis 2019 par un Saoudien, le très sulfureux personnage Turki Al-Sheikh. Hein, je te mets l'image ici. C'est un homme politique saoudien de 41 ans, très proche de Mohamed Ben Salman, qui a été président du comité olympique et d'autres fonctions dans le sport en Arabie Saoudite. C'est un fan de football et donc il est propriétaire donc, de l'UD Almeria depuis 2019. Je sais que certains vont faire un rapprochement. L'OM vend, parce qu'il y a une option d'achat qui est quasiment obligatoire, vend Luis Suarez à l'UD Almeria. C'est un propriétaire saoudien, donc rachat olympique de Marseille par saoudien, tout ce que tu veux. Bon. Non, je pense qu'il ne faut pas encore faire ce genre de raccourci. On attend toujours, de toute façon, le communiqué de Vézirian qui est en relecture depuis bientôt un an et demi. Hein, mais ça va arriver, hein, quasiment 2 ans. Doucement, doucement, hein, quand même. Voilà. Est-ce que c'est bien de vendre Luis Suarez? Pas bien. Est-ce qu'il va être remplacé, etc.? Déjà, Luis Suarez faisait un petit bilan de cette mi-saison. Enfin, c'est presque mi-saison, hein, puisqu'on n'a pas encore fait tous les matchs aller, la phase de match aller. Quand on regarde ces statistiques, je te les mets là, Luis Suarez, c'est 291 minutes de jeu, 3 buts, une passe décisive. Donc, il a été décisif 4 fois en 290 minutes de jeu. Donc, si tu divises, ça fait 29 divisé par 4, tu es quasiment à 70, hein, 4 fois 7, 28. Il a été quand même décisif toutes les 70 minutes. Donc, on peut dire quasiment une fois par match. Mais lui, il a joué des bouts de match. 2 fois titulaire, 5 fois remplaçant en Ligue 1, et après il a été une fois titulaire en Ligue des Champions, et 2 fois, je crois, remplaçant en Ligue des Champions. Bon, en tout, il a joué 11 matchs, quoi, hein, c'est pas énorme. Mais quand on regarde son temps de jeu en Ligue 1, 3 buts d'une passe décisive en 290 minutes, les gars, il faut être objectif, c'est loin d'être dégueulasse. Vraiment, quand on le regarde en termes de stats, hein, après, dans le jeu, on a quand même vu certaines carences, des carences techniques, des carences d'intelligence de jeu, de vision du jeu. C'est un joueur qui se bat beaucoup, c'est un joueur qui court énormément, qui part dans l'économie d'énergie, d'accord, tout ça, on l'a déjà dit. Il a 25 ans déjà, il les a eus là, début décembre. Mais c'est un profil un peu à la Benedetto, hein, on en avait parlé, je vous l'avais dit. Un joueur qui court beaucoup, qui a une grosse niaque, qui a beaucoup de grinta, tout ce que tu veux, joueur sud-américain, mais qui est très maladroit. Parce que les occasions, il les a eues, il aurait pu mettre au moins 2-3 buts de plus. Et je pense qu'on ne parlerait pas d'un transfert à ce moment-là. Si, je dis bien si, il avait mis ses 2-3 buts de plus. Bon, l'option d'achat est à 8 millions d'euros. C'est une option, en gros, si l'UD Almeria se maintient en Liga, elle sera levée. Normalement, ça devrait bien se passer pour ce club qui devrait se maintenir, je l'espère. Maintenant, comme je t'ai dit, est-ce qu'on le vend? Est-ce qu'on le garde? Puisqu'on va jouer plus que le championnat, la Coupe de France. On a Sanchez devant, Dieng, qui sont nos attaquants, hein, on va dire, prioritaires. Bah, écoutez, ça fait rentrer de l'argent dans le club. Pour un club qui doit soi-disant être racheté, on ne serait pas à 8 millions près dans les caisses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, il y a un manque à gagner avec la Ligue des Champions. Il faut que économiquement l'OM se refasse. Donc, il va falloir vendre des joueurs dont Luis Suarez, qui permettrait de rentrer dans, on va dire, dans ses frais achat-dépense. Tu vois, il a été acheté autour de 10. Bon,
un peu moins parce qu'il y a des bonus que l'OM ne versera pas du coup à au club acheteur, au club vendeur, hein, d'accord? Donc en gros, il ne coûterait que le salaire et les charges, hein, pour une demi-saison. Eh bien, s'il faut le vendre, on le vend. Mais est-ce qu'il sera remplacé? Voilà, parce que la saison va être encore longue. Il reste 3-4 matchs sur la phase aller, plus tous les matchs de la phase retour et les matchs de Coupe de France où je l'espère, l'ambition du club est d'aller la chercher. Et je pense que c'est bien, c'est pas minimiser le club de dire oui, il faut aller chercher la Coupe de France. Bien au contraire, bien au contraire. On joue plus que ça. Pour moi, ça serait une priorité d'être sur le podium et d'aller chercher enfin cette Coupe de France que moi je revendique depuis que tu me suis, depuis l'ouverture de ma chaîne. Cette Coupe de France qui nous échappe depuis 1989 quand même. Tu vois, je veux dire, ça va faire plus de 30 ans, quoi. Donc, oui, le vendre, oui, mais le remplacer, alors, soit par un prêt, pour toujours pareil, tenir bon économiquement le club, mais par qui, honnêtement, j'ai aucune idée. Est-ce que Milik va rester à la Juventus? Moi, j'aimerais un profil à la Milik. Un grand joueur, tu vois, puissant, qui monopolise deux défenseurs. Sanchez, Jenks, ce sont des joueurs d'espace, de percussion, et encore que Sanchez arrive quand même à cette technique dans les petits espaces, justement, dans la surface, à dribbler, à se retourner sur son défenseur, etc. Mais il manque quand même ce joueur un peu robuste, un peu gaillard, comme peut l'avoir Delors, par exemple, à Nice, comme peut l'avoir, enfin, il y a plein de clubs qui ont ce genre de profil-là, et en Ligue 1, qui est un championnat quand même assez physique, je pense que ça serait pas mal. Bon, est-ce que Milik va revenir, etc.? J'en sais rien, on n'y est pas encore. Donc, voilà. Donc, voilà où on en est au niveau Mercato OM. Gerson est toujours absent, hein, donc du centre d'entraînement, pour apparemment des problèmes personnels, familiaux, j'en sais rien. Bon, moi, je souhaite vraiment que ce joueur soit vendu. Je pense plus qu'il ait la tête à l'OM. 20 millions d'euros et tu le vends. Bon, apparemment, ça négocie avec Flamengo, ça négocie dur, hein, ça gratte des deux côtés. Mais je pense réellement qu'il faut régler ce transfert, ce dossier avant la reprise. Voilà, je pense que c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour le joueur, c'est mieux pour l'OM. Vu son faible temps de jeu, ça sert à rien de le garder pour essayer de le relancer. Il ne rentre pas dans le schéma tactique d'Igor Tudor. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis donc sur ce transfert de Luis Suarez. Est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre, etc. Qui aimerais-tu voir arriver à l'OM en tant qu'attaquant ou un joueur offensif, d'accord? Et puis, ton avis en général, si tu veux, sur la Coupe du Monde, si tu veux donner ton avis sous cette vidéo. Bien sûr, tout le monde est libre, tu le sais comme moi, avec d'habitude. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche. Portez-vous bien, c'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.